ravie d'accueillir votre groupe. Voilà, on est au Petit Palais que vous connaissez sûrement tous très très bien. Nous allons voir une belle rétrospective de Georges Desvalières. Les dates sont 1861-1950. Je pense que la plupart d'entre vous a vu peut-être la vidéo conférence que j'ai donnée, qui vous a déjà donné une bonne idée du peintre, mon grand-père, et l'arrière-grand-père de Marie-Ange. Voilà. Donc nous avons une belle rétrospective de 76 œuvres, alors que dans notre catalogue raisonné, je salue ici Thomas qui va m'aider à faire la visite, parce qu'il a contribué énormément au catalogue les 4 dernières années, nous avons 2675 œuvres. Donc il faut tout de suite que vous vous rendiez compte qu'on n'en a que 75, mais elles sont très bien choisies, et elles donnent une bonne idée du peintre, ça c'est sûr. Mais enfin bon, ces 75 œuvres réunies aujourd'hui, c'est très intéressant, mais il y a déjà eu des rétrospectives, bien sûr, du vivant de l'artiste, parce qu'on dit première rétrospective. Il y en a eu en 1910, en 1913 et en 1925 au Musée des Arts Décoratifs, où il y avait une grosse rétrospective de 50 œuvres, donc on n'est pas très loin, mais bon, dont la très grande décoration que vous avez vue à la fin de la vidéoconférence de la chapelle de Saint-Privat dans le Gard. Et donc, autour de cette décoration qu'il a faite sur toile pour pouvoir l'exposer au Musée des Arts Décoratifs en 1925, il a groupé la plupart de ses grandes toiles, dont il y en a pas mal ici réunies. Une dernière rétrospective avant sa mort, c'est en 1937, c'est très important, c'est l'exposition des maîtres de l'art indépendant au moment de l'exposition internationale en 1937, donc au Petit Palais. Et donc, il y avait tous les grands artistes qui avait participé au Salon d'automne, qui était fondé en 1903 par Desvalières, entre autres, avec Franz Jourdain, et qui a été, disons, animé par tous les élèves de Gustave Moreau, les jeunes, parce que lui était un peu le grand frère des élèves de Gustave Moreau. Et ce Salon d'automne, Monsieur Escolier, qui était conservateur au Petit Palais en 1937, a voulu, qui avait eu lieu, pardon, j'oublie de le dire, très important, au sous-sol du Petit Palais, en dessous, a voulu rassembler à nouveau tous ces grands peintres plusieurs années après, en 1937, et ils occupaient toutes les salles du Petit Palais. Donc ici, vous étiez avec les jeunes, il y avait Modigliani, voilà le plan. Voilà, le plan. Voilà, on est là, le numéro 20. Voilà, on est là, ici. Vous connaissez. Là, le hall, voilà où vous êtes resté un certain temps pour les billets. Ensuite, là, il y avait les sculpteurs, dont il y avait tous les grands sculpteurs, Bourdelle, Rodin, Pompon. Donc les peintres jeunes, Modigliani, Picabia, et entre autres. Et puis alors tous les fauves étaient là, tous les participants au Salon d'automne étaient du côté des salles 18e que vous connaissez sans doute. Il y avait Picasso, Braque, et puis Desvalières se trouvait dans cette aile, au même endroit. Ce qui n'est pas du tout... c'est une coïncidence par rapport à notre exposition que nous allons voir aujourd'hui. Et parmi ces 37... en 1937, parmi ces œuvres exposées, 20 œuvres très importantes, il y en a 8 qui sont dans l'exposition. Voilà la Grèce, tableau magnifique qui a été choisi pour faire l'affiche de l'exposition. Donc c'est un tableau, vous voyez, qui est en largeur. Pour l'affiche, on a été obligé de couper en hauteur, en rectangulaire. Et là, vous avez la belle œuvre devant vous, une œuvre de 1910, pleine maturité de l'artiste. Donc vous allez voir que la visite est thématique et chronologique, et pas tout à fait chronologique, parce que nous commençons par 1910, il y a une affiche, une photo de 1929, quelques tableaux après la guerre. Donc vous verrez au moment de la chronologie que va nous faire Thomas, pourquoi ce n'est pas totalement chronologique. Voilà. Donc cette Grèce, en fait, a un sous-titre, Child Harold. Child Harold est le titre d'un écrit de Lord Byron au début du 19e siècle intitulé Pèlerinage de Child Harold. Et c'est la pérégrination d'un jeune chevalier, Child Harold, dans la Méditerranée, et qui admire toutes les beautés de ces contrées magnifiques. Mais la Grèce en particulier, donc dans son chapitre sur la Grèce, on voit qu'elle a une pose très mélancolique et qu'elle pleure sur les vestiges des temples pillés, des temples de tout ce que vous avez pu voir vous en Grèce et qui n'est plus sur pied, mais surtout aussi, elle pleure sur les 400 ans d'occupation ottomane. Donc c'est un tableau très moderne, très contemporain,
de par ce thème. Et la peinture corps et âme, très bien choisie, parce que vous allez voir beaucoup de corps, de nus, de des manières magnifiques, mais il y a toujours dans ces corps une anima, un esprit qui l'anime. Des manières pour lui, dira à sa femme en 1915 du haut front d'Alsace, tout ce qui est en nous est corps et âme, et c'est ce qu'est la vie. Donc vous allez voir que ce sont des corps vivants, voilà. Donc je n'en dis pas plus parce que je vous laisse regarder ce beau tableau, et Xavier va vous lire un passage de Lord Byron qui illustre bien le peintre sur la Grèce. Belle Grèce, débris d'une gloire éclipsée, mais immortelle encore dans ta splendeur passée. Grande, quoique déchue et tombée au néant, ô, qui s'élèvera pour guider maintenant tes enfants dispersés et qui, sur ton rivage, effacera les pas de ton long esclavage. Où sont-ils ces héros frappés par le destin qui, marchant fièrement vers un trépas certain, choisirent leur sépulture au sombre thermopyle. Alors retenez bien l'image et la beauté de ce tableau qui est fait en 1910 en pleine période d'art décoratif, parce que vous allez voir un autre tableau, donc un tableau complètement profane, et plus loin vous verrez un tableau de 1910 beaucoup plus loin, le Christ à la colonne, que Desvalières va placer à côté de la Grèce au salon d'automne. Donc période profane, période sacrée, Desvalières, corps et âme, c'est tout à fait le thème. Il n'hésite pas à placer les tableaux qui pourraient être contradictoires, qui ne le sont pas du tout chez lui, l'un à côté de l'autre dans les salons. De mon grand-père en 1929, qui dit au revoir à ses élèves des ateliers d'art sacré, qu'il a créé après la guerre en 1919 avec Maurice Denis. Et il a trois élèves, quatre élèves même, qui l'ont aidé sur ce chantier de Wittenheim en Alsace. Il vient de le terminer et il les envoie pour les récompenser à Venise. Pourquoi ? Parce que Desvalières, en fait, est un grand fanatique des peintres italiens, les maîtres italiens, et qui vont beaucoup influencer sa peinture. Et il veut que ses élèves aillent découvrir Tiepolo, Tintoret et Titien. Avant de regarder les autres œuvres, nous allons parcourir les périodes de la vie de Desvalières avec Thomas. Alors pour résumer sa vie, on peut la diviser en trois grandes périodes, qui sont les périodes clés à la fois de sa vie d'homme et de son activité de peintre. La première période qui va jusqu'à la guerre, jusqu'en 1914, puis la période de la guerre et l'après-guerre. Desvalières naît, donc, on l'a dit, en 1861, dans une famille intellectuelle et bourgeoise parisienne. C'est la famille des Legouvé. Vous avez le buste d'Ernest Legouvé derrière vous, qui était grand académicien, grand-père de Desvalières, grand auteur. Le fils de Gabriel Legouvé, qui était lui-même à l'Institut, membre de l'Institut. Et c'est Ernest Legouvé qui encourage son petit-fils Georges Desvalières vers la voie artistique et vers la peinture. C'est Legouvé qui le présente à Jules-Élie Delaunay en 1877, qui devient le premier maître de Georges Desvalières. Vous avez ici deux jolis portraits peints par Delaunay, qui représente donc à droite Georges Desvalières lui-même enfant, et à gauche vous avez Marie Legouvé Desvalières, la mère de l'artiste. Jules-Élie Delaunay, en 1877, est déjà un peintre reconnu pour les portraits justement, mais également pour les grandes décorations. Il a peint des grandes décorations à l'Hôtel de Ville de Paris, au Panthéon également, qu'il laisse inachevé, que Desvalières reprend en partie d'ailleurs. Et le grand héritage, le grand enseignement de Delaunay pour Desvalières, c'est la sûreté du dessin et l'expressivité des couleurs, ce qu'on retrouve déjà dans les portraits. Et vous verrez des portraits de Desvalières plus loin qui rappellent l'influence de Delaunay. Desvalières commence une carrière de jeune artiste. Il rencontre Gustave Moreau, on le verra par la suite. Il s'illustre dans le portrait mondain. Il part à Londres réaliser des toiles qu'on verra également par la suite. Et en 1904, aux alentours de 1904, il retourne à la foi catholique. Il vient d'une famille catholique, mais assez peu pratiquante, sauf sa mère. Et en 1904, en fait, sous l'influence de Léon Blois et de Huysmans, et aux côtés de Georges Rouault,
il retourne à la foi catholique. Il a déjà peint des sujets religieux, il continuera à en peindre, et on verra que l'art religieux, à partir de 1904 et surtout après-guerre, domine sa production. Au moment de l'éclatement de la guerre, donc en 1914, Desvallières est un peintre reconnu, il a dépassé la cinquantaine, il est père d'une famille nombreuse et il pourrait échapper au conflit. Mais c'est lui qui décide de s'engager. On peut le comprendre parce qu'il fait partie de toute cette génération qui a été marquée par la guerre de 1870 et élevée dans l'esprit d'une revanche à prendre et de l'Alsace-Lorraine à reconquérir. Donc Desvallières s'engage. Son fils Richard, ferronnier d'art, dont on voit des œuvres ici, s'engage également. Et son fils cadet, Daniel, âgé de 17 ans, supplie son père de le laisser s'engager, ce qu'il fait presque à contre-cœur. En 1915, malheureusement, Daniel meurt sur le front des Vosges. C'est évidemment un grand drame pour toute la famille, qui se console avec l'arrivée de France, la fille cadette de Georges et Marguerite, qui est mère de Catherine. Et en 1916, Desvallières donc reste sur le front en fait jusqu'en 1918. Il est chef de bataillon, un meneur d'hommes sans pareil, selon les dires de tous ces hommes. Il laisse de côté ses activités de peintre, il envoie simplement quelques croquis à Marguerite, mais il se consacre à son activité de chef de bataillon. En 1916, au cours d'un assaut dans les lignes ennemies particulièrement dangereux, il fait le vœu, s'il rentre vivant du conflit, de ne consacrer son art qu'à Dieu, de se consacrer à l'art religieux. Et c'est un vœu qu'il tiendra jusqu'à la fin de sa vie. Quand il rentre en 1918, la troisième partie de sa vie est marquée par son engagement pour le renouveau de l'art chrétien, qui est un grand mouvement qui a émergé en France au sortir de la guerre. Dès 1912, il a eu l'idée de créer des ateliers d'art sacré. Il en a fait part à Maurice Denis, qui avait des réticences à l'époque. Mais les deux hommes se retrouvent en 1918, après la guerre, et ils fondent ensemble ces ateliers d'art sacré sur le modèle des corporations médiévales, c'est-à-dire qu'ils ont des élèves qui deviennent apprentis, rémunérés par la suite. Et tous ensemble, ils veulent redécorer toutes les églises qui ont été détruites par le conflit. Donc la grande idée de Desvallières, c'est de sillonner la France avec ses élèves pour redécorer toutes ces églises reconstruites. Et à partir de son retour de la guerre, son activité de peintre va donc être partagée entre des grandes décorations seul ou avec ses élèves des ateliers d'art sacré, des tableaux indépendants, toujours des tableaux religieux, et de toutes petites illustrations pour des livres qu'il réalise jusqu'à la fin de sa vie, pour des livres religieux également. Et il peint jusqu'à la fin, jusqu'en 1950, date de son décès. Voilà, merci beaucoup Thomas, c'était très bien résumé, beaucoup de détails. Alors donc, pour en revenir, on va parler de la religion, puisqu'il y a un tableau de 1922 ici, donc il vient avant, bien sûr, le démarrage du jeune peintre, 1922, après la guerre. Desvallières est le peintre du Sacré-Cœur déjà depuis 1905. Et en 1922, il fait ce beau Sacré-Cœur. Vous voyez qu'il n'a rien à voir avec le Sacré-Cœur, les Sacré-Cœurs qu'on voit encore dans nos églises, les statues, un peu rose bonbon avec le Sacré-Cœur tout rose. Non, c'est un Sacré-Cœur lumineux. Vous verrez bien sûr le Sacré-Cœur de 1905 qui ouvre son cœur, qui l'arrache et que le sang coule pour ses amis. Et là, c'est le Sacré-Cœur lumineux qui fait l'harmonie de la famille Desvallières. Vous avez 1922, je vous ai dit, donc c'est une nouvelle technique. Malheureusement, le tableau a été verni. Donc, pour ceux qui sont ici, vous le voyez mal, il faut se mettre de côté. Moi, je le vois très très bien de côté parce qu'il n'y a pas de reflet. C'est une nouvelle technique que Desvallières va développer à partir de 1903. Papier marouflé sur toile avec de l'huile et de l'essence. Ça lui vient de Toulouse-Lautrec comme technique. Mais c'est plus tard, hein, à partir de 1903, retenez bien. Ça, nous sommes en 1922, il va appliquer beaucoup cette technique à toutes ses œuvres d'après-guerre, après 1903 et ses œuvres d'après-guerre, tout en alternant avec les toiles, parce que la toile, dans les grandes décorations d'église, est plus facile à faire dans l'atelier et après à maroufler. Et grâce à Dieu, il a fait beaucoup de toiles qui ont été très très bien préservées. Voilà, donc vous avez Georges avec sa palette.
Vous avez Sabine avec Sacha Zuble, parce qu'il faut savoir que Sabine et Richard, dont Thomas a parlé, Richard, grand ferronnier d'art, Sabine était une brodeuse d'art très connue au moment du Salon d'automne. Dans les années 1906-1916, elle a exposé des œuvres d'art décoratif très profanes. C'est là aussi sa période profane. Et là, elle est avec des chasubles, parce qu'après, pendant la guerre, elle a créé des ateliers de femmes, soit veuves, soit jeunes filles, qui étaient un peu inactives. Et elle leur a montré comment, c'était déjà un petit peu les ateliers d'art sacré, parce qu'il y avait la prière le matin, les a initiés au sacrement, et en même temps leur faisait faire des décors de chasubles ou de choses pour les églises à reconstruire, d'objets de culte. Et ça a été exposé au musée des arts décoratifs. Et il y a eu des articles très importants sur elle, de Maurice Denis, et des lettres de Maurice Denis à Des Valières sur le front, en lui disant « Votre fille fait un travail extraordinaire auprès des femmes de notre pays ». Voilà. Donc nous allons tout de suite passer au premier tableau que Des Valières a exposé en 1883. Donc il a 22 ans. C'est le beau portrait de sa sœur que vous voyez là. Georgina Des Valières, qui a 16 ans. Et qui se trouve, donc Manet vient de décéder, donc on voit bien tout la touche de Manet dans le portrait, et qui est entouré d'un très beau paysage. Regardez-le bien, parce qu'il n'y a pas de paysage, vous voyez, on n'a pas pu mettre beaucoup de choses, d'autres choses dans l'exposition que les plus belles toiles, mais il y a deux, trois paysages qui sont dans les portraits ou dans les scènes religieuses, dont celui-là, qui représente le sous-bois de la famille de Gouvet à Seine-Port et qui a des airs de Corot, enfin bon, Des Valières, un très grand paysagiste, parce qu'on a répertorié plus de 100 paysages dans le catalogue raisonné, très beau, et celui-là est spécialement magnifique. Donc il a été repéré par Puvis de Chavannes, qui était un ami de Le Gouvet, qui lui dit, il y a tout ça, c'est écrit, votre petit-fils est bien parti pour une belle carrière de peintre. Voilà. Avant 1883, il a fait ce magnifique autoportrait qui n'a jamais été exposé, qui était dans la famille et qui est donc la mascotte de notre catalogue raisonné. Parce que quand il a 20 ans, c'est très très beau. Il a son carton avec son chiffon, c'est le carton à dessin. Et ici, en 88, il a le chevalet avec la palette. Donc vous avez le pastelliste et le peintre, vous allez voir les pastels et les peintures. Il faut quand même regarder le grand panneau qui a l'air un peu énigmatique, n'est-ce pas? Ce grand panneau, en fait, c'était la salle à manger de Le Gouvet, au Saint-Marc, et il y avait quatre panneaux comme ça. La salle à manger était arrondie. Et donc, ça, c'est le deuxième panneau, c'est l'histoire du lycée de Nausicaa. Et donc, le premier panneau représentait Nausicaa, voilà. Nausicaa et ses suivantes, vous voyez, au bord d'un fleuve, vous pouvez imaginer aussi comme celui-là, vous voyez, très panneau. Après, Nausicaa reçoit Ulysse sur la plage, les suivantes s'en vont en courant parce qu'ils ont peur de ce personnage très sale et plein d'algues. Et en fait, Nausicaa accueille, au lieu d'être terrorisé par cet individu qui arrive de la mer, l'accueille et le présente à son père, le roi Alcinous, à gauche, ici. Voyez. Donc ça, c'est l'image de l'hospitalité des Valières dans la salle à manger de la famille. Ça représente très très bien, je pense que mon grand-père l'a pas écrit, mais je pense que c'est ça, parce qu'il y a toujours une hospitalité légendaire dans la famille. Et le troisième panneau, c'est la famille, qui l'a accepté. Donc là, c'est entre 1895 et 1898. Vous avez Marguerite, sa femme, on va voir un autoportrait, un portrait à côté, avec ses trois petits premiers enfants et sa sœur Claire. Voilà, Des Valières intègre toujours des personnages de sa famille dans ses œuvres, surtout dans les grandes œuvres. Voilà, alors là, vous voyez la merveille. Alors ce tableau-là a été exposé dans de nombreux endroits, non seulement à Paris, dans les grandes expositions, mais aussi à l'étranger. Il a été très apprécié à Pittsburgh, aux États-Unis, et il y a beaucoup de très beaux commentaires sur ce tableau, dont un, je ne sais pas si Xavier, tu as trouvé le commentaire de ce joli portrait sur l'homme. Une œuvre distinguée où tout séduit, une facture très sûre, une coloration délicate, la logique du dessin, le modelé des figures qui va jusqu'à l'âme, l'abandon naturel des poses. Marguerite, ma grand-mère, toute jeune fille, donc il est avant le portrait où elle attend Richard. Claire,
sa sœur. Toutes les deux sont des élèves de César Franck, des grandes musiciennes. Donc la scène est évidemment vue dans cet angle-là. Émile, le père de Georges, qui est au piano. Et le décor est très très beau aussi. Alors regardez bien les décors, parce que nous n'avons pas du tout de nature morte. Il y en a énormément dans le cadre d'emprisonné, il est très joli. Mais si vous regardez dans certains portraits, comme celui-là, il y a un beau décor. Mmh. Celui de Lucien Simon, le pastel, très joli, là, vous voyez déjà. Ça reflète, si vous voulez, le personnage en général. Alors Lucien Simon, c'est un amoureux de la nature comme lui, c'est un peintre de la bande noire de Bretagne, et qui fait partie des amis de Prinet, ils font des voyages ensemble, et c'est de la grande entente, mais sur le plan pictural, c'est pas la même peinture. Ils n'ont pas la même peinture que Desvalières. Desvalières, lui, c'est l'homme du salon d'automne, l'homme un peu révolutionnaire qui va prendre des nouvelles techniques, qui va chercher, qui est le disciple de Gustave Moreau. Et ils se reconnaissent, ils s'entendent très très bien, mais sont très différents. Donc ils se sont rencontrés, Lucien Simon, avec Desvalières, en 1880, au moment du volontariat. Alors donc, ils sont tous les deux prêts à partir à la revanche de 1870. Et ils ne s'apprécient pas beaucoup sur le moment. Et ils se retrouvent un soir devant un coucher de soleil. Et ils se disent, ah bon, vous aimez le soleil, vous aimez la nature. Et voilà, une grande amitié est née. Ils sont ensemble à l'Académie Julian. Et ça sera jusqu'à la fin de sa vie. Puisque regardez aussi ce joli petit pastel ravissant. Et avant de voir le tableau que Lucien Simon va acquérir, ces fameux tireurs d'arc que vous avez, la magnifique devant vous. Pastel, hein, c'est un grand pastel. Très très rare d'avoir des pastels aussi grands. Il est intéressant de voir d'abord le pastel des joueurs de balle, car il a été fait avant celui des tireurs d'arc. Alors, 1894, joueur de balle, il y avait un deuxième panneau. C'est pour ça que c'est important de venir le voir ici. Il avait la même taille, pour ainsi dire, que les tireurs d'arc. Vous voyez, regardez, 1894. Ce qui est très intéressant aussi dans les joueurs de balle, c'est que c'est l'époque où commence le cinéma et vous voyez la décomposition d'un mouvement du même homme. Et de l'autre côté, surtout si Xavier vous montre la photo de l'autre côté, parce que malheureusement il a été perdu, brûlé, dans les années 60, il y a eu un accident dans l'endroit où on l'avait entreposé. Et malheureusement la deuxième partie, qui donc faisait que c'était de la même taille que celui-là, a disparu. Voilà. Vous voyez la décomposition. De l'autre côté de la cheminée. Voilà. Et donc ça a été coupé en deux pour mettre autour d'une cheminée chez Monsieur Rouchet, qui était aussi un de ses grands amis. Après 1895, les deux tableaux, 1894-1895, ont été exposés à l'exposition universelle de 1900 et ont reçu une médaille. Il a reçu une médaille avec le tableau qui est de l'autre côté de l'orgie, vous allez voir tout à l'heure. Et donc, ça, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu déjà au musée d'Orsay. Alors, il y a beaucoup les critiques se partagent. On peut y voir effectivement Hercule au lac de Saint-Phal avec les oiseaux horribles. Mais pourquoi il y aurait tous ces hommes? Ils seraient seuls, peut-être décomposés, c'est comme l'autre. Non, je pense qu'il y a plutôt l'idée des maîtres italiens, de Pollaiolo, qui a fait venir ce genre de dessin avec des compositions plus italiennes et surtout très Desvalières. Voilà, donc pour les très beaux pastels, vous allez en voir d'autres. Et donc, nous allons maintenant regarder 1883, ce pauvre tiers qui fait le dos qui vient à Mademoiselle Desvalières de la même année, 1883. Donc, vous voyez, là, on est parti plus loin. J'aurais dû vous montrer avant. Donc, ça, c'est la passion Desvalières pour tout ce qui est vénitien, italien, les condottières. Vous avez vu, vous les connaissez, Antonio de Messine. À Venise, de Carpaccio, et des tas d'autres, il y en a tellement. Mais alors lui, il en a fait plusieurs. Hein. Il y en a un ici qui est très très beau, parce que c'est le premier en plus, de sa jeunesse. Il reprend un peu tous les thèmes des tableaux italiens de la Renaissance, et il y a une tête très moderne et un regard percutant de chef de guerre. Voilà. Alors, tout le monde voit cette jolie tête, là c'est un petit pastel comme vous voyez. Et c'est le jardinier de Le Gouvet, donc de Seine-Port. Ils ont une maison à la campagne. Desvalières travaille entre Paris et Seine-Port. Et il est très inspiré par cette tête, très belle. Et il a fait beaucoup de portraits avec la tête de Cadou, il s'appelle Cadou. Et donc il en fait un beau dessin que vous voyez là. Dessin que le Petit Palais va recevoir en 1906. 1906, exactement. Vous avez fait au cours de votre carrière
une œuvre qui vous tient à cœur, que vous chérissez d'une particulière dilection, vous la gardez précieusement au mur de votre atelier, c'est celle-là que nous vous demandons. Alors, il y a un an et demi, j'ai retrouvé le tableau que je recherchais depuis 20 ans, dont on parlait dans les lettres, dans les articles, les bourreaux, le bourreau. Bon, il y a un atelier qui est de la famille qui a été restauré, on a retrouvé des fonds d'atelier. Et voilà ce qu'on a retrouvé. Le bourreau qui décapite les têtes d'ange. La barbarie qui détruit la beauté. Voilà comment c'est décrit. La barbarie, hein. Voilà. Pour continuer ici, on a une petite figure très jolie d'un amour vainqueur d'Hercule. Donc encore les tableaux d'Hercule qui reviennent parce qu'il est très imbu de mythologie, avec un petit paysage italien, voilà, ça c'est ravissant, un petit joyau. Au-dessus, vous avez le symbolisme de l'eau, avec aussi un corps qui exprime bien cette recherche de l'eau qui court. C'est ça, enfin, c'est très dynamique. Ce nu est magnifique. Et il est au musée de Boulogne et il venait de la famille et vraiment c'est une très belle représentation du symbole de l'eau. Une jeune femme que Desvalières a, genre fleur triomphante, il y a plusieurs tableaux comme ça de Desvalières mais qui sont souvent au Japon, souvent difficilement accessibles. Et donc il a été mis des dessins qui se rapprochent de Gustave Moreau. Mais vous allez quand même voir que les deux grandes toiles ici sont très proches du maître, celle-ci et celle-ci. Avant, nous allons entendre Thomas nous parler de l'influence de Gustave Moreau sur Desvalières parce qu'elle est très importante. Et il a écrit d'ailleurs à ce sujet une préface d'un tout petit livre que vous pouvez trouver à la librairie. Gustave Moreau vu par Georges Desvalières plutôt, excusez-moi. Georges Desvalières rencontre Gustave Moreau en 1878, donc très tôt. Je vous avais dit qu'il a rencontré Jules-Élie Delaunay, son premier maître, en 1877, un an auparavant. Et c'est Delaunay qui le présente à Gustave Moreau. Contrairement à ce qu'on pense parfois, Desvalières n'est pas réellement l'élève de Gustave Moreau. Parce qu'à cette époque, donc, Moreau reprend un atelier à l'École des Beaux-Arts, où il forme ses jeunes élèves, mais Desvalières n'est plus à l'École des Beaux-Arts. Il a passé uniquement un an dans une classe préparatoire et il est déjà plus âgé. Il ne fait plus partie des élèves de l'École des Beaux-Arts et de l'atelier de Gustave Moreau. En revanche, il est très lié avec les jeunes élèves de Moreau, justement, parmi lesquels notamment Matisse ou Georges Rouault, avec lequel il noue un lien d'amitié fort. Et en fait, ce sera toute cette génération formée par Gustave Moreau qui va révolutionner l'art au tournant du XXe siècle et qui formera toute l'avant-garde artistique qui sera exposée par Desvalières au Salon d'automne à partir de 1903. Desvalières étant un peu plus âgé que toute cette jeune génération, il s'impose comme une sorte de grand frère pour eux. Et il les défendra vigoureusement quand leur peinture sera attaquée par la critique, par le public et par l'État aussi, qui aura du mal à les acheter. Desvalières et la peinture du jeune Desvalières est très influencée par Gustave Moreau, comme on peut le voir. Il va jusqu'à déplacer son atelier près de la rue de la Rochefoucauld, actuel musée Gustave Moreau, où Gustave Moreau a son propre atelier, pour bénéficier pleinement de son enseignement. Mais vous savez peut-être que Gustave Moreau, de son vivant, ne laissait personne pénétrer dans son atelier. Ni ses acheteurs, ni ses élèves, et ni même Desvalières, dont il était pourtant très proche. Gustave Moreau est le témoin du mariage de Georges et Marguerite. Il est le parrain de Sabine, la première fille du couple. Donc ils ont un lien d'amitié très fort. Et pourtant, Desvalières, du vivant de Gustave Moreau, n'est jamais entré dans son atelier. À sa mort en 1898, Desvalières entre pour la première fois dans l'atelier et dans un très joli texte, il décrit le sentiment qu'il a eu en entrant pour la première fois dans l'atelier qui était alors plein de peintures et de dessins de Moreau. Et il raconte qu'il a compris à ce moment-là quelle avait été l'influence décisive de Gustave Moreau sur son art propre et sur l'art de toute cette jeune génération, c'est-à-dire le primat du spirituel, de l'âme, sur les considérations artistiques vaines. C'est-à-dire que c'est privilégier l'intériorité et l'âme dans le tableau avant
avant la gratuité du geste artistique. Et c'est ça le grand enseignement de Gustave Moreau sur des Vallières et sur toute cette jeune génération qui va bouleverser l'art français. En 1902, l'atelier de Gustave Moreau devient un musée, sous le souhait de Gustave Moreau lui-même. Et Desvallières participe activement à la création de ce musée. Il défend le nom de Gustave Moreau dans des conférences et dans des articles à une époque, au début du XXe siècle, où Gustave Moreau est un peu passé de mode. Desvallières se démène pour le faire revivre. Et il devient même, avant les années 30, conservateur du musée Gustave Moreau, et il continue jusqu'à la fin à défendre le nom de celui qu'il appelait son cher maître. Voilà, merci beaucoup, merci Thomas. Beaucoup. Ouais, c'était très intéressant. Donc Thomas développe ça dans le petit livre dont je vous parlais. Et ce beau tableau, voilà, on peut passer tout de suite à ce beau tableau de Narcisse, du couple qui ne sait pas s'aimer, comme disait Desvallières. C'est un couple qui n'arrive pas à s'aimer. C'est Écho qui est amoureux, tout comme toutes les nymphes sont amoureuses de Narcisse, qui lui ne pense qu'à une chose, c'est la beauté à lui, et qui se voit en reflet dans l'eau. Il est monté sur un piédestal, sur le mont Nico en plus, et déjà haut. Et la pauvre Écho crie de douleur, c'est la désespérance. Il a fait plusieurs tableaux d'ailleurs de désespérance, avec un corps comme ça, mais c'est un homme d'ailleurs, mais là c'est une femme. Et donc c'est la désespérance de Écho qui pleure le non-amour de Narcisse, qui finira par regretter d'ailleurs à la fin. D'avoir eu cette... On a une indication. Alors voilà, il y a une indication ici. On a été recherché dans le poème des Métamorphoses d'Ovide, parce qu'il avait toujours l'inspiration donc, des anciens. Et Xavier va nous lire en français la traduction de Inundam, ça tout le monde connaît, dans un monde, Émisie et Écho. Je l'avais mis dans le latin et en français. L'ultime parole de Narcisse regardant l'onde fut Inundam. Hélas, enfant que j'ai aimé en vain. Et les alentours renvoyèrent autant de mots, et quand il dit adieu, Écho aussi le répéta. Remarquez l'oiseau bleu, qu'on voit très très mal dans la photo, mais là qu'on voit très très bien. Et cette merveilleuse nature mystérieuse, là, vous voyez, je vous dirais, observez la nature, parce qu'il n'y a pas de nature, il n'y a pas de paysage. Et là, c'est un paysage complètement mystérieux, à la fois à la Gustave Moreau, comme vous pouvez le voir, mais très Desvallières quand même. Voilà. Donc, de l'autre côté, là-bas, si vous connaissez les prétendants de Gustave Moreau, vous allez trouver la ressemblance flagrante avec cette orgie, l'orgie donc, qui est aussi présentée à l'exposition universelle de 1900. C'est l'ivresse. Alors, regardez bien ces corps d'homme, ces petits génies et brutes qui sont ivres avec ce corps d'homme d'enfant qui va mettre dans une lithographe en inversant. Et regardez ce corps tourné vers la terre. Alors, pensez bien à ça. Un corps comme ça tourné vers la terre, parce que nous allons voir après la guerre, justement, la différence de l'homme libre et de l'homme tourné vers Dieu. Déjà ici, il y a un petit dessin qui vous fait présager. Voilà, nous sommes en 1901, c'est la guerre anglo-boer en Afrique du Sud, et c'est un appel à la paix que Desvallières lance dans ce petit, très joli petite composition, où il y a un charnier, effectivement, d'hommes qui sont morts, et l'homme là est tourné vers le ciel. Et déjà, l'homme qui est tourné couché vers le ciel, et l'autre debout vers le ciel, c'est pas encore le Christ en croix, hein, c'est un homme, c'est un appel à la paix. Donc regardez ça, après vous allez comprendre pour les autres tableaux d'intérêt. Donc ensuite nous avons cette marche à l'idéal. Alors ça, très important aussi, pour comprendre toute la suite et comprendre la personnalité Desvallières. Vous avez un homme décharné qui est dans les ronces. Alors ça, on va retrouver ça au moment de la guerre, ça sera toutes des ronces, mais ça sera aussi les fils de fer d'un brûlé du champ de bataille. Mais il y a un espoir quand même, malgré tout, dans ce paysage dévasté. Il y a une femme, parce que la femme, chez les Legouvet, déjà, mon arrière-arrière-grand-père Gabriel, a écrit après la Révolution, Le mérite des femmes, très beau petit livre qui était dans toutes les corbeilles de mariées du début du 19e siècle. Son fils Ernest reprendra l'histoire morale des femmes en mettant la femme au pinacle, en disant il faut créer l'école des Sévrières, c'est lui qui va la créer. Et Desvallières dit qu'il se met dans cette tradition pour défendre les femmes. Et leur vertu, et là c'est comme une tendresse, la femme,
qui mène l'homme dans ce monde difficile pour tout le monde. Parce que ça, il est sûr que nous savons tous que nous traversons cette vie avec beaucoup d'ardeur, mais qu'il y a des douleurs, qu'il y a des souffrances. Et c'est ce que Devalier vous montrait, même s'il y a la beauté de sa sœur, la beauté du comte d'Authière et d'autres beautés, il y a le malheur des barbares, et il y a aussi la traversée des souffrances qui est donc symbolisée ici par ce squelette. Et malgré tout, l'horizon est clair et c'est un pastel aussi. Voilà. Alors voilà le commentaire de Devalier. À lui-même, c'est l'homme soutenu par une tendresse qui marche vers cet idéal qui nous fuit toujours, que la raison combat si triomphalement et dans lequel nous avons une foi que ni les déceptions ni la raison ne peuvent déraciner de notre cœur. C'est toujours la lutte entre la foi et la raison, entre le sentiment et la raison, et finalement les femmes aident l'humanité à plus de douceur dans les malheurs. Voilà, c'est ça le message des Malières. Donc en 1903, il y a une rupture dans la peinture de Devalier. Je laisse la parole à Thomas. Là, on a laissé Devalier au tournant du siècle. Et à partir des années 1900, il se fait une réputation en tant que peintre mondain au sein de la bourgeoisie parisienne. Le tableau de 1903, le portrait de Madame Blanchard, en est un parfait exemple, avec ses tons irisés, l'intérieur feutré, le couple en danse, en train de danser, l'élégance qui est tout à fait typique des portraits bourgeois de la Belle Époque. Si on se tourne vers l'esquisse du tableau qui est juste ici, on voit déjà un style très différent. On voit que la touche est beaucoup plus libre et plus rapide, les tons sont très différents également. On a un profil très singulier sur Madame Blanchard, avec un cou démesurément étiré, ce bras et ses mains avec les doigts très très fins, l'arrêt du nez très marqué, le carré de la mâchoire qui annonce toute l'avant-garde germanique. On pense à l'école de Vienne, aux avant-gardes de Munich également. Et en 1903, donc la même année que ce portrait. C'est la même posture. Oui, c'est l'esquisse. C'est l'esquisse du petit tableau, mais effectivement, c'est la même époque. En 1900... Et la technique, la technique. Oui. En 1903, donc l'année où il réalise ce tableau, il part à Londres, à l'été 1903, dans l'espoir de continuer cette carrière de portraitiste mondain au sein de la haute bourgeoisie londonienne. Seulement, il se rend compte une fois là-bas qu'il a plus de mal à obtenir des commandes qu'il ne l'imaginait. Et il se tourne alors vers le quartier de Leicester Square, notamment à l'Alhambra et à l'Empire, qui sont les deux grands cabarets de l'époque. Et il peint dans un carnet, un croquis qu'il ne quitte jamais, il peint en pochade des hommes et des femmes et toute cette atmosphère de la vie nocturne qu'il admire dans ces lieux-là. Il est très influencé à l'époque par Baudelaire et Huysmans, et également par la peinture de Toulouse-Lautrec. Oui, c'est l'organisme. Dans cette esquisse, oui. Comme nous avait raconté Monsieur Trémois, là, il peint sur papier et il prend des sens et de lui. Il prend les deux. Donc ça, c'est quand je vous ai montré le Sacré-Cœur tout à l'heure, il en est beaucoup utilisé puisque c'est en 1922. Là, c'est la première fois qu'il utilise cette technique-là, et vous verrez donc les femmes ici, et puis après, avant la guerre et après la guerre, il fera encore des toiles et des papiers, et des cartons, le carton aussi, ça sera la même technique, c'est de l'huile et de l'essence, donc comme vous disiez, effectivement, la femme là, c'est Leicester Square, comme disait Thomas, ça c'est Londres, alors il y a deux tableaux de Londres, il y en a beaucoup plus évidemment, il y en a une centaine. Mais de cette taille-là, il a fait toute une série de exactement la même taille, de Londres et du Moulin Rouge. Donc de Londres, vous avez le Boston, là-bas, qui est très très beau, à côté d'un tableau de Rouault. Ça se ressemble, mais on voit bien la différence. Donc le Boston est une danse de l'époque, et c'est dans un cabaret anglais. Et ça, c'est à l'Alhambra. Et les trois autres, c'est des femmes du Moulin Rouge, quand
il va revenir en 1904 à Paris. Enfin, il y revient à la fin de l'été 1903, excusez-moi. Et il va peindre tout ce qu'il a pris sur ses manchettes, des petits panneaux. Et il va exécuter donc des tableaux de cette dimension-là, dont deux seront un peu plus grands. Le premier de Londres, voilà, qui est au Japon, qui a failli venir ici. Il était à Beaune au mois de février. On a essayé, mais on n'a pas pu faire venir parce que c'était très cher. Voilà, c'est ça. Alors voilà, vous voyez, ce tableau-là est beaucoup plus grand que les tableaux qu'il a fait, si je dis officiel. Les trois femmes, c'est la couverture de Monet du Salon d'automne, pour ceux qui le connaissent déjà. Et, donc trois prostituées à Londres, souvenir de Londres, qu'il va donc exposer au premier Salon d'automne, à côté du tableau de sa mère, que vous allez voir après. Il n'est pas du tout peint dans les mêmes genres, que forcément, mais c'est toujours l'idée de traduire l'âme des personnes, qui est très différente. Comme je vous le disais, il va mettre en 1910 la Grèce et le Christ à la colonne. Et en 1903, il met déjà les trois femmes prostituées avec sa mère à côté. Et en 1904, au Salon d'automne, il va mettre les femmes du Moulin Rouge avec sa fille. Préciser qu'en 1903, il perd Ernest Le Bouvet, son grand-père, ce qui était celui qu'il avait guidé vers la peinture. Gustave Moreau est mort en 1898. Et alors, on a des lettres qui sont très émouvantes qu'il envoie depuis Londres à sa femme, où il lui explique que maintenant qu'il n'a plus Gustave Moreau depuis 1898, qu'il n'a plus son grand-père qu'il avait guidé, c'est le moment pour lui de prendre son indépendance d'artiste et de trouver réellement sa voie propre. Et c'est dans ce style-là qu'il bouleverse un peu sa façon de... Dans cette optique-là, qu'il bouleverse sa façon de peindre. Voilà ce qu'il dit lui-même. « J'aimais énormément l'antique, les maîtres. » Mais tout de même, il y avait quelque chose qui me manquait. Je sentais bien que je n'arrivais pas à m'exprimer en interposant toujours les belles choses que j'admirais au Louvre. Alors je me suis mis à regarder la vie. J'allais au bal et je prenais sur mes manchettes des croquis que je mettais au point le lendemain. Tous les spectacles m'intéressaient, le Moulin Rouge, les rues de Paris, le matin Notre-Dame des Victoires, ma paroisse, où j'étais souvent à l'ouverture des portes. Ces images si diverses heurtaient, m'émouvait profondément, me faisait réfléchir. À chaque instant, le drame humain apparaissait. On entrevoyait des mystères. Ah, voilà. Donc, pour entrevoir les mystères de Desvalières, je pense que lui aurait aimé, en tout cas, mettre le Sacré-Cœur au milieu de toutes ces femmes. Je vais vous montrer le Sacré-Cœur qui est plus loin, parce qu'on l'a mis à côté du Christ à la colonne. Il est de 1905 et... Il ouvre son cœur. Pourquoi ? Il ouvre son cœur en fait sur le quartier de Pigalle. Et puis voilà, Madame Desvalières, que vous avez vu peindre par Delaunay dans sa jeunesse, mon arrière-grand-mère, qui a été placée au Salon d'automne à côté de ses trois femmes. Comme je vous le disais, Desvalières pense que chaque destin est important, chaque destin est à méditer. Et voilà, il veut montrer aux hommes. En fait, en montant ces trois prostituées, jusqu'où ils vont pour détruire les femmes. En fait, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il voit la chose. Et sa mère, alors, vient de perdre son cher père Ernest Le Bouvet, pour lequel elle écrivait tous ses textes à l'éditeur, car il avait une écriture très très difficile à lire. Et donc, elle pense à son père. Laisse admirer ce magnifique portrait. Sabine en 1904 à côté des femmes du Moulin Rouge. Avec la petite, elle va être exposée en même temps que la petite américaine. Alors, vous voyez deux jeunes filles du même âge, au même salon, complètement différentes, parce que justement, ils représentent l'âme de la personne. La petite américaine insouciante qui vient jouer à la corde, qui est déjà presque à l'adolescente, aux Tuileries. Et Sabine, dans l'intérieur familial, c'est elle qui va être. Ce que je vous ai dit l'autre jour, une grande artiste très intérieure qui va beaucoup dialoguer avec son père de la religion, surtout pendant la guerre, dans les lettres, on voit la grande publicité. Donc ces deux tableaux 1904 au Salon d'automne avec les femmes du Moulin Rouge à côté. Ça, c'est un très joli portrait d'une de mes tantes qui est tout à fait impressionniste. Vous voyez comme il peut toucher un peu à tous les arts, avec du billard, par-ci, par-là, des jolies petites natures mortes. De même que celui de... Mademoiselle Robiquet, donc qui voilà, représente aussi une scène très agréable avec le piano,
l'artiste est dans la glace, vous voyez, le miroir avait en train de voilà. Vous reconnaissez Desvallières avec son chevalet dans le miroir. Et les mains, voilà. Alors donc cette jeune fille, c'est assez touchant, c'est très beau son histoire, très très beau. Elle a donc hérité d'un petit pécule. Je la connais parce que je connais très bien son fils qui a offert ce tableau au Petit Palais, qui est Pierre-Yves Trémois, qui est très connu, un grand sculpteur. Et il m'a raconté donc que sa maman avait un petit héritage et que c'était l'époque où Desvallières était très en vogue pour les portraits. Il est allé le voir et il lui a dit « Voilà, j'aimerais que vous fassiez mon portrait ». Et voilà ce qu'il a sorti de cette jeune fille qui est devenue la grande amie de Sabine, de Daniel, de Richard, et qui écrit pendant la guerre aux enfants Desvallières tout son soutien au moment où Daniel meurt. Donc voilà, c'est très émouvant. Donc nous retournons à la période décorative. Alors comme vous avez pu le voir dans les œuvres de Londres et du Moulin Rouge, le dessin de Desvallières se déstructure. Et il est encore déstructuré dans ces deux panneaux qui en fait ne sont que des petits résumés d'une magnifique décoration qui se trouve dans le 17e arrondissement de Paris. C'était un salon de musique. Il y avait toute une frise de 7,30 m de chaque panneau, 4 panneaux comme ça. Je vous fais ça parce que j'aurais bien aimé les voir là, mais bon, c'était pas possible, bien sûr. Et elles ont été démontées parce que c'est maintenant un bureau, mais il reste un des panneaux. Et dans le catalogue raisonné, on voit comment elles étaient avec des arcades, c'est très joli, avec des boiseries. Et celui-là, bon, malheureusement, a été un peu coupé. Donc chaque panneau, là, ce ne font pas partie du même panneau, mais c'est le triomphe de Bacchus, avec les bêtes sauvages qui sont charmées par Silène, le faune qui joue de la flûte de Pan. Et là, c'est un satyre qui pousse une feuille pour voir une belle nymphe. Et la belle nymphe n'est pas là, elle aurait pu être là, mais elle n'est pas là. Elle est à l'hôtel Rocher, dans le 17e arrondissement. Mais on pourrait organiser une visite pour voir l'ensemble avec votre club, ça pourrait être possible. Donc 1907-1908, vous voyez que les couleurs sont fauves. Il suit le mouvement parce que c'est lui qui les a placés au salon d'automne en 1904, il est placeur. Et c'est lui qui place les fauves dans la même salle pour qu'en 1905, ça fasse le scandale et que voilà, on parle de Donatello chez les fauves parce qu'il y en a d'autres qui se sont mis dans le mouvement et que les journalistes, voilà, fassent un grand fou. Voilà. Et lui-même fait aussi, mais avec son tempérament à lui bien particulier. Ensuite, vous avez donc ces deux tableaux de 1910. Attendez, on va d'abord parler des sonneurs de trompe. Venez là. Donc ça, c'est un tableau de 1909. C'est magnifique. Et il faut le voir avec l'orgie. Voilà. Parce que figurez-vous que l'orgie, là-bas, un de ses amis, quelqu'un qui l'a connu en 1907, un grand mécène, qui s'appelle Louis Mélève, qui avait fondé la Alger, c'était un peu la Médicis de l'époque à Alger. Il était un grand collectionneur et il encourageait l'art des Algériens et des Français qui voulaient bien y travailler ensemble. C'était la belle époque où on pouvait avoir des échanges artistiques avec l'Afrique du Nord. Et donc il a beaucoup développé ça, Mélet, et il rencontre Desvallières, il est émerveillé par ses peintures. De l'hôtel Rocher, son ami Lucien Simon, c'est pas Lucien Simon, donc qui a les fameux tireurs d'art, tout ça merveilleux. Et puis il voit l'orgie qui n'est pas vendue, que Desvallières a toujours chez lui, il dit oh, j'aimerais tellement la guérir. Et puis quand il voit sa femme voit ça, Madame Mélet, elle a un peu peur d'avoir ça chez elle. Donc voilà, Louis Mélet écrit à Desvallières écrit à Louis Mélet, écoutez, qu'à cela ne tienne, je vais essayer de vous faire quelque chose. Dans l'esprit de l'orgie, mais en 1909, donc il a traversé la période décorative, la période de Londres, et il fait ce magnifique trio sur un piédestal, sonneur de trompe, vous voyez, alors il me dit, j'ai trouvé un très beau cadre, je pense qu'il faut absolument que vous fassiez l'acquisition de ce cadre, parce que ce tableau ne va pas sans ce cadre. Le cadre était plus cher que la toile. Oui, et Louis Mélet, qui était un mécène, qui avait beaucoup de... Voilà, a pris le cadre. Et donc ce tableau n'a pas été exposé. Alors je vous ai dit que tous ces grands tableaux étaient exposés, c'est une bêtise aussi, pardon, une bêtise. Évidemment, Rocher n'a pas été exposé puisqu'il l'a fait sur les murs de son hôtel particulier. Mais par contre, il a fait des visites organisées à l'hôtel Rocher où il expliquait ses toiles. Et la même chose pour les sonneurs de trompe. Il n'a pas été exposé. Seulement 5 jours, Chiribot, il a marqué une annonce dans le journal, hein, je crois, Thomas. Venez voir Chiribot, un tableau extraordinaire de Georges Desvallières qui va partir pour l'étranger. Ils ne disent pas l'Algérie, parce qu'ils ne disent pas qui est le. À quel... Et voilà, donc ils ont pu le voir. Et après, rien. Il a disparu.
Et donc moi j'étais très ennuyée qu'ils disparaissent. Donc moi j'ai commencé le catalogue parce que je trouvais ça beau en noir et blanc. Je voyais la photo en noir et blanc dans tous les journaux. Parce que tous les tableaux étaient photographiés dans les journaux. C'est comme ça qu'on les a retrouvés après. On avait la photo en noir et blanc. Et un beau jour, j'ai eu un coup de fil de monsieur du propriétaire qui me l'a montré. Et voilà, c'est comme ça que depuis 2006, il va dans certaines expositions et vous avez pu le voir dans ma vidéo. Parce que j'en ai parlé dans les expositions. Donc il a déjà été exposé. À Reims, à Nantes, voilà. Alors, ensuite, nous avons la fraternité, l'amour fraternel, qui est central pour des Bavières, deux hommes qui s'embrassent en fraternité. C'est une, en fait une esquisse pour un autre, il y en a un deuxième qui s'appelle la Sainte Charité, qui est aussi pas de la même façon, mais à la place de l'agneau, donc l'agneau c'est de l'amour de Christ, l'agneau de Dieu qui donne sa vie. Il y a un grand bouquet de fleurs. Et puis sinon, en 1937, à la fameuse exposition dont je vous parlais, il va faire un énorme tableau, la réconciliation. Derrière ces deux personnes, il y aura une grande croix avec le Christ qui se penche sur les deux hommes et un énorme arc de triomphe dessous. C'est pour l'exposition internationale. 1913, le fameux Hercule à la pomme d'or, enfin au jardin des Hespérides, plus ou moins plus tôt. Alors, il aime beaucoup le thème d'Hercule, il l'a représenté plusieurs fois depuis sa jeunesse. Et là, c'est l'apogée. L'apogée de la période décorative, quand tout le monde voit ça au salon, les articles sont dithyrambiques. Et on voit dans ce, d'abord l'histoire d'Hercule, bien sûr, ce modelé extraordinaire du corps qui fait beaucoup penser à Rodin, parce qu'on a vu récemment Saint-Jean-Baptiste au musée Rodin. Il y a exactement la même pose pour les jambes et pour le bras. Bon, il montre l'agneau de Dieu. Là, il cherche la forme très haut. Il va chercher. C'est la quête de l'idéal. Si vous voulez, c'est le même thème que la quête de l'idéal que vous avez vu derrière. Mais après cette période décorative, joyeuse, de lumière, de beauté. Et en même temps, certains articles disent ne serait-ce pas chez Desvalières qui vient de retrouver la foi une image d'Adam. Voilà, je vous laisse méditer cette phrase, qui est assez amusante. C'est une interprétation, monsieur. Et juste avant la guerre, voilà le dernier tableau qu'il fait, comme bœuf aux trois femmes. Cette femme, la source. Donc c'est le symbole de l'eau, toujours l'eau, c'est la vie. Et vous avez vu l'homme qui était dans une dynamique, et là c'est la source, c'est l'eau qui coule. Elle ferme les yeux intérieurement, elle pense à l'eau, symbole de vie. Et vous avez cette dernière œuvre très émouvante. Juste avant qu'il ne parte pour le front des Vosges. Voilà. Alors donc, nous allons passer dans les dernières salles et nous allons voir des tableaux faits avant ceux-là. On dit que Desvalières est tragique et pathétique. Voilà, vous voyez un tableau de lumière. Ma tante, qui a la scarlatine et qui est au bord de la mort. Vous voyez Georges en train de pleurer dans ce désastre avec sa maman qui le soutient. Et Émile qui était derrière le piano tout à l'heure qui pleure aussi. À côté de Georges et Marguerite, Jeanne d'Arc se penche sur la petite fille et Desvalières venait donc de retrouver la foi 4-5 ans avant, donc plus que ça, 1904, oui, plus que ça, 12, plus longtemps, 8 ans avant, mais il avait un petit doute sur la bienheureuse Jeanne d'Arc, comment une guerrière peut être sainte, et il est allé à notre histoire comme il allait tous les matins prier la Jeanne d'Arc en disant écoutez, vraiment, si vous existez, faites quelque chose. Il revient à la maison, Xavier va vous raconter ce qu'il écrit à sa fille Marie-Madeleine, qui a 10 ans, pendant la guerre d'Alsace. En 1915, il va lui écrire, au moment de sa première communion, de l'histoire qui lui est arrivée. C'était donc la fête de la bienheureuse Jeanne d'Arc, cette grande Française qui t'a protégée, cher enfant, quand tu étais si malade. Ton vieux papa ne peut pas penser à tout cela sans que les larmes lui montent aux yeux. Quelle émotion lorsque le vieux Louis m'a reçu, lorsque je revenais de la messe par ces mots, Marie-Madeleine est sauvée. Je revenais tout plein de ma prière et j'étais loin de m'attendre à ce qui m'arrivait. Et je n'ai été convaincu que lorsque le chirurgien m'a dit « Je n'ai rien à faire, vous n'avez qu'à mettre un linge sec sur le cou, il n'y a rien. » N'oublie pas cela, ma chère Mariette, on est toujours porté à oublier avec le temps. Voilà la belle lettre de ton père sur le front d'Alsace. Il met donc des communions, parce que vous allez voir que le thème des communions revient souvent dans les toiles de Desvalières. Si vous allez par exemple à l'église du Saint-Esprit, vous entendez qu'ils sont allés, il y a un chemin de croix
qui est très sombre. Il y a toujours des communiantes qui sont là, parce que ça représente la force de l'Eucharistie dans la vie, pendant les épreuves. Et ici, alors, on n'est pas dans le chemin du Saint-Esprit, mais dans une grande joie familiale. Il est vraiment magnifique. Et c'est un tableau qui était dans une très grande collection, la collection Rouard, et que j'ai retrouvé chez un antiquaire il n'y a pas longtemps, et que donc quelqu'un de la famille a pu récupérer. Et donc c'est très émouvant de le voir à cette exposition. Il a été à Barcelone, vous avez dû regarder le voir. Il était à Barcelone en 1917, en même temps que le fameux Saint-Jean-Baptiste de Rodin. Et il a eu beaucoup de succès parce que dans le journal qui rapporte l'événement, il y a une photo de Jeanne d'Arc et de Rodin. De Saint-Jean-Baptiste et de Jeanne d'Arc. Derrière vous, alors voilà, une merveille de paysage. Profitez-en. Et dans le paysage, vous voyez tous qu'il y a une fuite en Égypte très jolie. À la Tiepolo, c'est très italien. Il y a la toute petite scène au milieu d'un très grand paysage. Et le paysage est fait, et c'est en 1913, c'est au moment où Desvalières vient de faire des décors de théâtre. Donc on voit très bien l'influence des Russes, de Bax, de Benoît, qui étaient ses amis. Il a accueilli à Paris et il a demandé à Roucher, justement, qui voulait animer le Théâtre des Arts et faire du nouveau, de demander aux peintres de faire les décors et non plus à des décorateurs. Et donc Desvalières avait autour de lui toute une pléiade de peintres qu'il a présenté à Roucher, et lui-même a fait 3 décors de théâtre. Et après la guerre, comme il ne fait son vœu de ne peindre que du religieux, il arrêtera malheureusement, enfin malheureusement, je ne devrais pas dire ça, il arrêtera pour l'art du théâtre en tout cas de faire des décors. Parce qu'après, vous savez que Picasso, tout le monde va faire des décors, les grands peintres, les plus grands peintres font des décors, mais Desvalières ne fera que des décorations d'église. C'est son vœu. Donc, le Sacré-Cœur dont je vous ai parlé tout à l'heure, Xavier va lire exactement le texte de Desvalières, je n'ai pas besoin de paraphraser parce que c'est tellement incroyable. Et Blois dit des très belles choses, il dit c'est le pélican qui donne son sang pour ses petits, et c'est l'amour divin, l'incarnation, c'est le peintre de l'incarnation Desvalières. Et c'est bien qu'il l'ait mis ici, finalement, en face du sacre du Christ à la colonne, qui est magnifique aussi. Les deux se font écho. Donc Xavier va vous dire le texte de Desvalières sur ce tableau. En 1930. Il a eu une vision quand il se promenait dans les rues de Pigalle. C'est pour ça que moi je le voyais bien là-bas. L'artiste a souvent raconté ou écrit comment lui était venue l'inspiration de ce tableau. Un soir de 14 juillet, au début du siècle, alors qu'il se promène sur les boulevards au son des accordéons, des chants de femmes l'interpellent. C'était des voix très saintes, très douces, les chansons, des plaintes. Pourquoi m'as-tu quitté? Quand reviendras-tu? Le temps des cerises. Et le ciel était si clair, les étoiles scintillaient. Le Sacré-Cœur dominait toute cette scène, et malgré moi, mon cœur a vu le Seigneur Jésus-Christ qui se penchait vers ses créatures, ouvrant son cœur, leur demandant l'amour qui sauve seul, et leur disait « Voici le chemin, c'est pourquoi j'ai fait un Sacré-Cœur qui, pour moi, était l'évocation de cette scène. » Donc là, vous avez le Christ à la colonne. Je pense que tout Titien et le gros Christ du Louvre, avec le Louvre autour de lui. Et là, le Christ est seul, isolé, la flagellation est terminée, et Desvalières l'isole un peu sur la gauche avec un grand panneau noir où il est écrit « Seigneur, ayez pitié de nous ». Les phrases donc du Kyrie Eleison et du Agnus Dei de la messe. Il faut savoir que Desvalières revient d'Espagne quand il fait ce tableau et qu'il a fait sur une toute petite carte postale grande comme ça, comme une carte postale quoi, une petite esquisse de ce Christ à la colonne, la carte postale de Ségovie. Donc j'ai regardé ce qu'il y avait à l'intérieur de la cathédrale. Effectivement, il y a des sculptures de Christ de la Passion. Et donc il faut reconnaître qu'ici il y a l'influence italienne et aussi l'influence espagnole. Mais toujours, quand même, regardez bien le Christ du Titien du Louvre, on voit les influences, cette belle colonne blanche. Et alors donc, comme je vous le disais au début, c'est un tableau de 1910, donc la pleine période décorative de Desvalières, avec les roses et la vigne, que vous avez vu, mais dont je ne vous ai pas parlé, qui sont magnifiques, et avec la Grèce. Et bien, au Salon d'automne 1910, 4 Saint-Tienne, Desvalières place la Grèce à côté du Christ à la colonne. En tout cas, c'est un testament pour lui, un testament pictural, parce qu'il montre la fin de sa période profane avec la Grèce, et là, il est en pleine période de redécouverte de la religion de son enfance. Ici, c'est une esquisse en fait, qui a été retrouvée dans un fond d'atelier et qui représente la parabole des aveugles
sans Dieu, l'homme se perd. Donc, et alors la parabole des aveugles, vous savez, Bruegel, on a dessiné, on a fait une très belle, avec tout un mouton de panure, j'allais dire, des personnes qui se suivent comme ça, il y a la première tombe. Et ici, Desvallières, il avait fait ça sur un de ses carnets, il avait un petit peu commencé à faire un peu à la Bruegel, et il a fait totalement autre chose, il a pris le couple, donc la femme, c'est celle de la naïade que vous avez vue, on le reconnaît très bien, et l'homme, et donc c'est le couple qui représente l'universalité du monde, puisqu'il y a un noir et une femme blanche, et donc c'est l'homme qui entraîne la femme dans la chute, bien sûr, c'est Desvallières. De l'autre côté, vous avez le Christo Midinette, le titre est amusant, c'est lui qui l'a choisi, c'est une affiche qui va se mettre dans tout Paris, mais là c'est le dessin de l'affiche. Hein. Donc, alors lui, il aime beaucoup faire des touches comme ça, hein. Mais par contre, l'affiche sera un peu plus plate. J'aime beaucoup l'esquisse. Nous avons eu une première esquisse, Xavier et moi, à la maison, encore moins finie. Celle-là, c'est la deuxième, et après, il y a l'affiche. Et donc, c'est pour l'exposition internationale des arts chrétiens en 1911, date à laquelle Desvallières va rentrer au Tiers-Ordre, c'est très important, Tiers-Ordre dominicain. Puis il va suivre le petit office de la Sainte Vierge tous les jours de sa vie. Sur le front, il l'emmène dans ses bagages, il le dit dans ce qu'il emmène, ça, et très peu de choses, sa théorie militaire et son petit office. Et tous les jours, il récitera ses prières, ses psaumes de l'office dominicain. Tout ça pour dire qu'avant d'aborder la période décorative, la troisième période de sa vie et la période de la guerre, Desvallières a une peinture religieuse très construite, très théologique. Ce n'est pas du mystico gazeux, c'est du mystico solide, parce qu'on a souvent dit que c'était un mystique et on a l'impression qu'il va s'envoler. Non, 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 c'est du réalisme, c'est d'incarnation, c'est construit, il suit des conférences chez le Dominicain, donc il peint vraiment ce qui est officiel, disons, dans la religion catholique. Alors là-haut, c'est un tableau qui était dans la famille, qui n'a jamais été exposé, qui est très touchant. L'arpin de Villers-Cotte, une montagne de Vosges. Qui symbolise toutes les montagnes que Desvallières a parcourues, 14 secteurs en 3 ans et demi avec tout son bataillon. Et ils étaient en plein air, évidemment, dans les tranchées. Et un arbre catastrophe, qui était. C'était la mangeuse d'hommes, hein, on appelait l'arbre d'Iversa Story. Un arbre catastrophe qu'on appelait Desvallières, les arbres qui avaient été bombardés. Et on voit très très mal, c'est en rouge, les noms de certains de ces soldats qui sont morts. Alors, Priscilla, ma fille, qui m'a beaucoup aidé pour le catalogue, nous avons retrouvé les soldats sur le site Mémoire des Hommes de la Défense, du ministère de la Défense. Donc on était très heureux de pouvoir les identifier. Là, vous reconnaissez le Sacré-Cœur de 1905 que vous venez de voir, qui est en pied et qui remplace le poilu. Ça, c'est le grand thème des Desvallières. Le Christ prend la place de ceux qui souffrent. Donc pendant la guerre, il prend la place de celui qui est sur les tranchées, de celui qui saute dans l'obus. Alors quand il va représenter Daniel en 1922, il va le représenter sur un nuage qui est l'obus en fait, sur lequel il a sauté. Mais il n'est pas du tout déchiqueté, comme on aurait pu penser. Il est emmené dans la lumière par l'archange, Saint-Michel. Donc ça, c'est la vision de foi de Desvallières. Et là, c'est une autre vision, en 1920 avant. Donc du Christ qui partage, et il se souvient bien du champ de bataille. Ce qui est intéressant, c'est le champ de bataille qu'il a parcouru et qui est vraiment... voilà, Annette Becker, qui est la grande spécialiste de la guerre, quand elle a vu ce tableau à la maison, elle a dit « Vous permettez que je prenne une photo ?» parce que c'est exactement, effectivement, tout ce que j'étudie depuis des années sur la guerre de 14. Et c'est très émouvant de voir donc ça, de voir ça. Il y a Desvallières, il peut croire sur le même thème, d'une façon très très différente. Vous voyez, alors après, on va aller là-bas voir le soldat inconnu. Alors, c'est 1923, c'est l'époque où le soldat inconnu va être transféré sous l'Arc de Triomphe. Vous savez tous ça. On a mis les restes d'un soldat pour symboliser tous ceux qui ont disparu et qu'on n'a pas retrouvé. Daniel, on n'a jamais retrouvé son corps. Mes grands-parents, leur famille, sont allés plusieurs fois sur le terrain pour essayer de retrouver des vestiges puisqu'ils savaient exactement l'endroit où il était mort. Et comme il est sauté sur un obus 208, c'était impossible, ils n'ont jamais rien retrouvé. Et on espérait en 2000 peut-être quand il y a eu les arbres et en... Bon, tout le monde, toutes les familles espèrent retrouver leur adresse. Et là, donc, le soldat inconnu, c'est donc le soldat qui
c'est la flamme qui est là pour tous ces soldats. Et Desvalières est très inspiré dans ce tableau-là, parce qu'il fait vraiment toute une histoire extraordinaire sur le Sacré-Cœur. En fait, la flamme, ne part même pas du bas. C'est le bas, c'est donc le bois de la croix du bas. Elle part du cœur du Christ, et qui éclaire cette montée du poilu. Alors ça, c'est plus Daniel, c'est tous les poilus. Hein. Il représente tout le monde, avec les anges, Sainte Jeanne d'Arc avec son étendard, le maréchal Foch avec tous ses soldats qui vous font garde à vous, la Sainte Vierge des sept douleurs, parce qu'il y a les sept glaives dans son, qui transpercent dans son cœur, et avec les veuves, avec les... voilà. Donc ça, c'est la façon de Desvalières de traiter ce sujet du soldat inconnu, qu'il va traiter complètement différemment 2 ans après, puisque vous voyez que la flamme est bien en bas, on voit bien l'arc de triomphe ici, et le Christ emmène tendrement dans ses bras le poilu, et ça va faire le thème de son beau vitrail de Beaumont. Donc, il avait, faut savoir qu'il avait tous les vitraux de la chevassure de Beaumont sur le thème du Christ et qui partage la souffrance du poilu. Et il va prendre exactement ce modèle-là pour le centre d'un des panneaux en mettant beaucoup de bleu. Ça va, vous allez le voir sans doute quand vous regarderez derrière la vidéo, parce que malheureusement, il faudrait aller à Beaumont, ça c'est sûr. Alors après, vous avez l'église douloureuse qui raconte aussi beaucoup d'histoires. Alors regardez, vous vous souvenez, je vous l'ai dit tout à l'heure, regardez l'homme dans l'orgie qui a le corps tourné vers la terre. Vous venez, et là, il y a le soldat, le poilu mort, a les bras en croix vers le Christ. Le petit souffrant, dit Desvalières, et le grand souffrant sont unis par la Vierge Marie, médiatrice, avec la tendresse du Christ qui se penche sur sa mère. Marie, pendant toute la guerre de Desvalières, la protectrice des tranchées, il se promène avec une varante douce, avec 2 soldats, avec une statue. Placer des statues de la Sainte Vierge qu'il trouve dans la vallée de Israël, il va les mettre dans les endroits les plus dangereux du front pour protéger son bataillon. Marie, protectrice des tranchées, là c'est tout à fait ça. Elle ouvre son manteau et protège. Alors maintenant, c'est après la guerre, bien sûr, mais il va représenter à Beaumont la Vierge dans cette attitude en disant « Marie protège les tranchées », vous verrez que c'est dans la vidéo. C'est un très beau vitrail. Et alors, au milieu, toutes les petites croix des champs de bataille que Desvalières a posées aux endroits où ces hommes sont morts, avec une veuve qui pleure sur le tombeau de son mari. Et ça, Desvalières dit qu'il l'a vu, et qu'il voilà, il a voulu le transmettre. Et alors la grande pierre papale, à l'époque, vous savez, le pape proposait une belle pierre, et il a mis de la couleur de Véronèse, le vert, les verts Véronèse qu'il aime beaucoup, et dans un ciel sombre, c'est l'espérance qui arrive, c'est-à-dire que l'Église, en fait, pense à tous ces chrétiens qui sont morts, mais surtout à tous les hommes, et c'est sa façon d'exprimer cette tendresse de l'Église pour tous ceux qui sont morts. Les deux grands saints de la guerre, Saint Michel, qui est là, et Sainte Jeanne d'Arc, qui vous avez vu. Voilà, 1926. On a un Sacré-Cœur de 1920. Vous pouvez vous asseoir sur le Sacré-Cœur de 1920, beaucoup plus paisible. Il fait ça juste après la guerre. Traditionnel. Hein, donc avant les grands tableaux commémoratifs que je viens de vous montrer, il est capable de faire la même chose, des choses tragiques. Il le fait exactement en même temps que le Sacré-Cœur sur le champ de bataille, la même année. Et là, c'est très paisible. C'est au moment où la basilique va être bientôt consacrée, est déjà consacrée, donc c'est en 1919. Et donc, il fait ce Sacré-Cœur paisible, ouvrant son manteau, comme les Italiens, Mantellata, enfin, vous connaissez, je crois, vous dire. Et puis là, toujours le drapeau, en souvenir de tous ceux qui sont morts. Mais on est dans une plus grande paix, comme dans cette grande tapisserie. Joseph, 1921, c'est pour ça que je voulais en parler. Joseph, Daniel est mort le jour de la Saint-Joseph. Daniel avait une grande, grande, grande dévotion pour Saint-Joseph. Il demandait dans ses lettres toujours « Priez Saint-Joseph pour moi, quel jour ?» Et donc, quand la famille a appris la mort de Daniel, c'était au mois de mai, alors qu'il est mort le 19 mars. Ils ont attendu 2 mois. Et ça, pour eux, était un grand soutien, contrairement à ce qu'on me pensait, de savoir qu'il était mort le jour de Saint-Joseph. Il n'y a pas de révolte. La révolte, c'était au moment de la mort, c'est sûr, pour le fils aîné, Richard. Mais le fait que ce soit le jour de Saint-Joseph qu'il aimait tant, il avait 17 ans quand même, il y a une grande dévotion à 17 ans, c'est assez rare de la même époque. Bon, c'était comme ça. Alors là, vous l'avez, donc l'arbre de Jessé, bien sûr, hein, le tronc, après avoir tous ces arbres décapités là dans la nature, Desvalières fait un Saint-Joseph solide. Donc,
compte sur lui, c'est l'arbre de Jessé, et il présente le petit enfant Jésus, je disais, le pain de l'incarnation, qui va très très bien avec ce tableau-là, qui est fait beaucoup plus tard en 1936, c'est une esquisse, et pour moi, le tableau est au musée d'Orsay, dans les réserves, et dans le bas du tableau, qui est rectangulaire, donc les personnages sont plus ramassés en Dieu, c'est exactement le même, avec la Trinité, le couronnement de Marie avec les anges, l'église Saint-Pierre de Rome avec le pape, et sur le tableau final, un enfant Jésus, comme l'enfant Jésus que présente Saint-Joseph, c'est-à-dire le mystère de l'incarnation, est bien construit par des manières, la nouvelle création, avec Adam et Ève qui sont dans le paradis chassés, et le serpent est exterminé. Mais quand même, vous voyez que Adam regarde vers la Trinité, il y a un grand espoir. Toujours chez des Vallières, et la lumière est magnifique, et voilà. À cette époque-là, ils ont fait une dizaine de tableaux de couronnement de la Vierge, très différents. Pour ceux qui sont allés en Israël, il y en a un à bout gauche, et ben, c'est souvent dans les groupes, il y en a qui sont allés, chez les bénédictins en Israël, et alors là, il y en a un. Avec les religieuses, en bas, c'est les Clarisses, c'était un tableau qui était chez les Clarisses de Mazamet, qui n'en ont plus voulu au moment où les églises ont vidé leur l'iconographie. Il y a eu une très grande désaffection de l'iconographie depuis les années 1900, qu'est-ce qu'il nous a dit le frère 1950. Voilà. Cette belle tapisserie qui est au Gobelin, voilà. Et on connaît bien sûr le carton qu'on a retrouvé il y a 2 ans, exactement de la même taille, magnifique, mais il n'a pas pu être restauré à temps pour le mettre, parce que c'est quand même mieux d'avoir l'œuvre de l'artiste. Mais là, vous avez une technique nouvelle, une tapisserie, voilà. Desvalières a fait des vitraux, il a fait des papiers, il a fait des toiles, il a fait des pastels, enfin, il a énormément fait de techniques différentes, et vous avez donc la victoire au milieu qui est représentée sous les prêtres Sabine. Daniel représente le chasseur alpin avec le béret, enroulé dans un drapeau tricolore, avec la famille, Marguerite et une petite fille. Et vous voyez qu'on est quand même dans une certaine paix. Moi, le carton a été fait en 1934. Et il faut savoir que Sabine est décédée de la tuberculose le jour du début où on commence la tapisserie, le 16 février 1935 au Gobelin. C'est assez émouvant de voir ça. Et je termine sur cette belle tapisserie. Parce qu'ici vous avez aussi un tableau de Rouault, son jeune ami, qui l'a beaucoup soutenu au moment de la mort de Gustave Moreau, parce qu'il était complètement perdu sans Gustave Moreau, ce pauvre Rouault. Il écrivait des lettres désespérées à son ami. Soyez mon père, remplacez mon père, et il l'a fait avec beaucoup de générosité. Et un tableau de Maurice Denis, son grand ami des ateliers d'art sacré, le Sacré-Cœur vu par Maurice Denis. Vous voyez que c'est très différent comme style. Et tous les deux se complétaient et avaient des élèves très différents qui se faisaient corriger par les deux professeurs ou par un seul. Et il y avait une grande complémentarité dans l'enseignement. Et enfin, j'oublie en 1929, parce que ça, il faut le signaler, Sainte Thérèse d'Avila, il a fait des livres, comment on a parlé tout à l'heure, des livres illustrés. Donc il a fait des grands formats, des petits formats, des livres illustrés, c'était des livres d'art. Il y avait des cercles de bibliophiles à l'époque, il y en avait beaucoup. Et on lui avait commandé donc une série sur Sainte Thérèse d'Avila, qui n'a pas eu lieu finalement. Il s'est dit qu'à Saint-Étienne, je vais faire des grands tableaux sur Sainte Thérèse d'Avila. Et il y a un cycle d'une 10 à 15 tableaux, dont celui-ci, qui s'intéresse au pied de la croix avec le Christ et ses enfants. Voilà mes amis, je vous invite, pour ceux qui ne sont pas trop fatigués, à aller voir la vidéo des décorations d'église, parce que malheureusement dans l'exposition, il n'y a pas d'esquisse des grandes décorations. Il a fait quand même 15 dans un lieu très important en France. Et donc vous allez en voir quelques-uns là. Voilà les plus avant dans la connaissance du peintre, c'est à la fois beau et édifiant. Votre club a acheté un livre qui va être dans votre bibliothèque, donc vous pouvez le consulter. Et si vous voulez l'avoir chez vous, il y a encore quelques livres de disponibles au prix de souscription. Et ceux qui s'intéressent, je peux. Voilà. C'est les 3 tomes. Oui, ils sont d'ailleurs là. Thank you.